Yo tout le monde, ça y place, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Donc du coup je suis sur un nouveau mode, enfin un nouveau mode, je sais pas s'il est récent, mais en tout cas je viens de le découvrir. Il y a un jour, c'est Parcours Tag. Donc du coup Parcours Tag c'est quoi? C'est vous êtes deux équipes dans une partie. Il y a une équipe qui est tagueur et l'autre qui est runner. Donc du coup les runners doivent s'enfuir et les taggeurs doivent attraper l'ennemi. Et quand ils les attrapent, ils marquent des points. Et toutes les 30 secondes, je pense que c'est ça change de rôle. Donc du coup après les runners deviennent taggeurs et ainsi de suite. Ce qui est bien dans ce jeu, bah, c'est qu'on peut acheter des items avec l'argent du jeu. Regardez mon perso, il a une tête un peu bébête comme ça, mais bon, il est vraiment cool. Moi j'aime bien. Et les particularités, on peut courir sur les murs, on peut faire des doubles jumps et pas mal de choses comme ça. Donc regardez. Avec l'argent, on peut aller dans customization. Donc du coup, on déverrouille bien entendu en plus des pièces que ça coûte avec les niveaux. Mais bon, on va pas faire les difficiles parce que regardez la variété, il y a vraiment tout ce qu'il y a dans le shop de base de Roblox. Donc du coup, voilà, c'est cool, on peut customiser. Par contre, on peut pas mettre de deuxième et de troisième chapeau étant donné qu'il faut un Game Pass. Voilà, donc c'est payant avec du vrai argent. Mais bon, ça vous de voir si vous voulez dépenser ou pas de l'argent dans ce mode de jeu. Moi personnellement, je suis pas assez à fond dedans pour dépenser de l'argent dessus. Et donc voilà. Oula, oula, oula. On commence directement là. Ah, je suis le runner. Donc du coup, voilà, je dois m'échapper. Eux, ils doivent courir après. Et le but, c'est qu'ils ne m'aillent pas. Parce que. Ils vont me taguer aussi, non? Enfin, me taguer, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Ils vont me choper, du moins, et je vais mourir. Regardez, lui, il est AFK, c'est génial. Oh, ils sont. Oh! Ouah, je m'y attendais pas! Genre, il casse l'échelle. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Donc là, on peut poser des pièges, par exemple, quand on marche sur les petits voies verts. Ça fait des pièges qui se déclenchent, donc du coup, pour stopper les taggeurs. Alors là, on va s'approcher vite fait des runners. Donc lui, il est AFK, ça tombe bien, voilà. Donc le HUD aussi, fait la barre des feats qui est assez cool, qui s'affiche comme ça sur le côté. Hop, voilà, j'en ai eu un deuxième. Donc il suffit simplement de courir dessus. Et je sais pas s'il faut cliquer, moi du moins je clique. Hop, on va chase des petits runners. Hop, voilà. Hop, lui on va l'avoir. Oh mais c'est sérieux là. Genre je tombe. Allez, viens ici, bro, viens ici. Hop, toi, je t'ai eu. Hop, double kill. Il y a moyen de faire même des frag movies, je pense, des genres de frag movies sur ce jeu, il y aurait moyen. Ça pourrait être stylé d'ailleurs, hop. Hop, toi, je t'ai eu. Il y en a, ils sont pas très forts, mais ça tombe bien, il faut bien de tous les niveaux dans ce jeu. Donc voilà, du coup, c'est nous les runners maintenant. Le but est de s'échapper. Je trouve le jeu, il est vraiment fun, ça fait vraiment bien passer le temps et ça change un petit peu de tout le temps Phantom Force par exemple. Oula, oula, oula! Là par contre, ça devient chaud. Je vous avoue que. Oh, il y a trois taggers derrière moi! Oh le truc de fou! Oh! Oh, ils m'ont pas eu! J'étais poursuivi par trois tigers. Trois. Le but est de brain le max de gens le max de gens possible. Parce que là, franchement, des fois, c'est, je vous avoue que c'est fort chaud quand même. Hein. Hop, plus monter à l'échelle qui est une perte de temps incroyable. Le mec, tu vas mourir? Voilà, il était temps. Oh, il a utilisé les pièges, bien joué à lui, franchement. Tiens, la double. Non, même pas. Ouah. La double. S'il y a moyen de faire la triple, non, il n'y aura pas moyen. Je sais bien que j'ai déjà fait des quads dans ce jeu. Hop. Et je lui ai sauté dessus, on aurait dit Mario le truc. Mais lui, je l'ai pas eu, genre. Oh! Ah, c'est fini. Écoutez, c'était une très bonne partie. J'ai bien aimé.
Voilà, je suis premier du podium, je suis content. Regardez le J-Brain avec. Attends, what? On va courir parce que le mec. Oh, il est chaud! On est tombé contre un mec. Ah, il rigole pas lui. Il rigole pas. Oh là 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 là. Ils sont blindés. Enfin, ils sont blindés. Hop. Moi, j'active le piège. Tant pis pour toi. Oh non! Hop. On perd pas de temps. On essaye de les défoncer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Hop, on essaye de l'avoir. Hop. Ah, level 9, génial. Mais j'allais dire, je l'ai pas eu, lui, laisse tomber quoi. Lui non plus, là j'étais dessus, franchement j'ai chopé. Hein. On va courir tout droit lui, on va l'avoir. Voilà. Hop, on t'a intercepté. Il rip le piège. Attendez, mais c'est dégueulasse de la faire apparaître là. La pauvre! C'est incroyable. Bon là moi je vais me casser parce que là je vais me faire défoncer aussi non. C'est parti on se casse. En fait c'est le bon plan de rester en haut parce que j'ai l'impression que les ennemis on sait tellement les brains quand on est en haut. Normalement de 5 secondes je pense qu'on va changer les rôles. Voilà c'est parti. Non! Ouais! Bien joué à lui! Là bien joué à lui franchement. Je pense pas qu'il y ait moyen de courir plus vite comme que ça. Hop, cadeau. Tiens, cadeau. La petite double. Ça fait plaisir. J'aime bien la fille, elle bouge et tout comme ça. Hop. Ce qui est bien dans ce mode de jeu, c'est qu'on voit vraiment que les gens, ils utilisent vraiment leur cerveau pour brain, au fait. Comme ça, il brain tout le monde, voilà, et c'est vraiment cool. Comme ça, on voit qui brain qui, c'est vraiment cool. J'aime vraiment bien personnellement. Lui, par contre, normalement, c'était tellement easy de l'avoir. Tiens, toi, on va te chase un petit peu, il reste quelques secondes. Ah! Oh! Non, je l'ai pas eu, genre. Bon, bah voilà. Encore Viker, donc du coup, bah. C'était pour vous faire découvrir ce jeu, c'était une petite vidéo cool. Moi personnellement, je joue quand même pas mal à ce jeu, enfin, pas mal. Je joue de temps en temps comme ça pour me détendre quand j'en ai marre de Phantom Force ou Breaking Point ou que sais-je encore, ça dépend. Je voyage un petit peu sur tous les jeux. Donc du coup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo et aussi à vous abonner et à partager. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et comme ça, vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien d'ici là et prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!